On est un groupe de jeunes, on s'est rencontrés au CSA de Brest, on avait 12 ans, maintenant 15. En octobre 2021, à Ouessant, a été la dernière étape de notre aventure partagée. Allez, on s'ambiance! Ah bah tiens, en plus, il y a une qui fait le... Tu fais ça, là? Allez, c'est parti! C'est ça, c'est allez. Sensationnel! Ah oui, je suis passée, Hélène! On peut faire ça, Andy? On peut faire ça? Allez, on peut faire ça! Ouais, t'as vu, la ligature, c'est vraiment très intéressant. Hélène, on te voit pas trop, tu peux venir par là, s'il te plaît? Pourquoi je rapproche? Qu'est-ce qu'il y a, Hélène? Allez, on sourit! Attends, j'ai mon lacet. Allez, Brian! Il y en a le soleil dans les yeux. Où est les gamins, là? Regarde ma bouteille. Regarde là-bas. C'est ça qui est le plus beau, la nature. C'est pas mal. Pourquoi t'as dit que c'est ça qui est le plus beau? Eh les copains, ça fait longtemps qu'on se connaît, on est suivis dans un ado dans la ville. Toutes les sorties qu'on a fait, c'était tellement génial. Et vous, c'est quoi votre meilleur souvenir? Alors moi, mon meilleur souvenir, c'est quand Hélène avait dansé à la journée du patrimoine. Il y avait plein de caméras partout et on pensait qu'on allait à la télé. Ouais, c'était même pas vrai, c'était nul. Grave. Alors moi, mon meilleur souvenir, Maëline, c'était le château de Carjon. Tu te rappelles? On s'était pris un peu pour des princesses. On est parti visiter le château de Carjon. On a visité le château de Carjon pour voir les différentes pièces du château de Carjon. C'est le décor et aussi les chambres. Ensuite aussi les différentes pièces du château. De la Renaissance. Et vous avez justement des représentations aussi des apôtres. Vous avez Sarah ici avec le lion, Saint Matthieu avec l'homme, Saint Jean avec l'aigle et Saint Luc en marche. Alors, l'esprit de la chambre ne représente pas tous les enfants à l'église, et comme une courtisane de chambre aussi, qui correspond bien au résultat de la chambre de Jésus. Dans l'église, il y a une autre contrainte. C'est quoi ça? C'est un oiseau ça? Si! Mais regarde là! Regarde par terre! Ah ouais, ça va. Mais sauf que, ouais, elle a des ailes comme ça! Ouh! Non! Vas-y, appuie sur le bouton! Un, deux, trois, soleil! 1, 2, 3, soleil. Moi je me suis retourné au poulailler alors. Eh, ça prend. Un, deux, trois, soleil. Un, deux, trois, soleil. Wow. Est-ce que vous vous souvenez là des garçons et des filles? Avec le Covid, on a eu un peu de problèmes pour faire les sorties, mais on a quand même réussi à faire une expo photo au Capucin. C'était plutôt sympa. Et puis mon souvenir aussi que j'adore, c'est ce qui nous a permis d'être ici aujourd'hui. C'est quand même la somme de 1 000 euros à la mairie avec Élan. Non? Ça vous plaît pas?
Les jeunes du CESAD ont présenté le projet Un ado dans la ville aux élus de la ville de Brest. Ils ont remporté un prix via le dispositif Élan qui a permis de financer le séjour à Ouessant. C'est quoi qui est rigolo sur cette photo? Est-ce que c'est le monsieur? La voiture? Elle est un peu spéciale, la voiture. Oui, ouais. On dirait qu'elle est. Ouais, on dirait presque qu'elle est décorée. Qu'est-ce qu'elle te raconte? Ben, je vois qu'il y a un graffiti. Et une voiture. Et tu disais que tu l'as trouvé bizarre? Pourquoi? Qu'est-ce que tu trouves de bizarre sur cette photo? Bah, la peinture de la voiture. La peinture de la voiture? Mmh. Ouais, un peu de tuning ou quoi? Mmh. Est-ce que tu la trouves rigolote? Ouais. Qu'est-ce que tu trouves de rigolo sur l'image? C'est francophone. Non, je sais pas ce que c'est en train de faire. Ils ont l'air de s'amuser? Ouais. Par là, les gars. Je sens que tu vas faire mal aux yeux aux spectateurs. Bah, je sais pas trop, elle est pas comme les autres images. En fait, c'est une photo où je sais pas, c'est peut-être un garçon qui est sur. C'est peut-être une fille, je sais pas, qui est allongée. Je sais pas pourquoi elle porte un masque, quelque chose comme ça. Mais moi, je me suis dit que c'était bien, donc j'ai choisi cette photo. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi celle-ci et pas une autre? Je sais pas. Bah, j'aimais bien la fille. J'aimais bien la petite fille. Au Capucin, il y avait deux exposés différents. Donc c'était une exposé sur la différence de ce qu'on voyait des autres personnes, du coup, de comme on nous voit nous, mais pas comme on voit les autres enfants ou les autres ados. Bah, c'était bien, mais c'était un peu particulier quand même comme musée. Ah, c'est glauque. Bah ouais, j'ai trouvé une chenille de tank. Eh, moins de bruit, moins de bruit. Ouais. C'est pas une chenille, hein. Non. Une chenille, c'est beaucoup plus lourd. Je veux bien faire cache-cache et je sais où Gabin et j'ai personne pour se cacher. Non, non, c'est pas. Là-dedans. Merci de nous dire en avance les cachettes. Waouh. Une photo de Brian trop stylée. Allez, on retourne. Allez, on fait. On trouve des balles. On passe partout. Oh, wow. Oh ouais, là, il a trouvé des trésors. Alors, pas de lumière. Oula. Ah, la fille. Oh, non. Oh, c'est. Ah non, on va laisser sur son balai. Tu es, il y a un conducteur là-dedans. Attends, tu rajoutes en plus la difficulté voilà. Avec tes trucs. J'ai l'impression qu'ils sont devenus un peu dingues. On n'a pas pu aller au cinéma, mais le cinéma est venu à nous. Pour le festival du film court, il y avait plein de bonbons et c'était chouette. Tommy ? Tommy ? Réunis en ce mois de novembre 2020 pour le festival du film court. Nous avions l'intention d'aller au Quartz de Brest. Malheureusement, à cause de la Covid-19, nous avons dû y participer en ligne. Nous avons projeté le programme Questions de jeunesse sur grand écran, comme un petit cinéma,
Au fur et à mesure du programme, nous avons discuté de nos impressions. J'ai pas compris. C'est quoi que t'as fait? Ben, dans une fille, on me ramène un qui parle à un jeune homme là qui est amoureux d'elle, enfin, alors que c'est une machine. Enfin, déjà, un hologramme, ça n'a pas de cœur, ça n'a pas de sentiment. On ne peut pas comprendre ça, mais ben, le garçon ne peut pas comprendre ça non plus, parce que c'est qu'un hologramme. Ben, ça s'appelle, ben, elle devient humaine, on ne sait même pas pourquoi. Parce que son cœur est devenu. Mais la peinture. Du coup, elle est sortie de son. Parce que c'est un hologramme. Alors, du coup, c'est quoi, toi, t'as compris quoi de l'histoire? L'amour, tout ça. L'amour. On parle d'amour, est-ce qu'on est tous d'accord? Ouais, d'accord. J'ai vu, il y avait ça m'a rappelé que les gens ils sont sans gêne et qu'ils mettent de plein de déchets plastiques, enfin tout ce que vous voulez. Oui, c'est Camilla, ça va? Ça va, tranquille. T'as la boulangerie, tu fais quoi? C'est tout ça? Gavin, ton film préféré c'était Yandere. Non, Yandere quoi? Yandere, c'est avec l'hologramme. Yandere, la chamade et tout le père. Ouais, moi j'aimais bien, c'est sûr. Louane? Yandere, le dernier et. Bon, je vais le droit d'en dire qu'un seul et que deux. Yandere, le dernier, ok. Y'en a un autre que t'as aimé? Lequel? L'avant-dernier. Le tu préfères? Ok. Wesh wesh. Je me rappelle la sortie il y a 3 ans au SAMU. J'ai beaucoup aimé l'hélicoptère du SAMU. Mais on était trop petits, mais maintenant on est grands. On a été au SAMU de Brest, à la Cavale Blanche. Et on est resté toute la journée depuis le matin jusqu'à l'après-midi. C'est très bien passé, il faisait beau, il n'y avait pas de pluie, nickel. Ma plus étonnée, c'est l'hélicoptère et les véhicules du SAMU. J'aime bien les objets, les véhicules qui volent au-dessus. Hélène, on va zoomer un peu encore. Enfin. Oula. Je kiffe ma vie. Ok. Ouais, les amis, vous vous rappelez de la sortie Océanopolis qu'on a faite? Thank you.
Quand nous sommes allés à Océanopolis, nous avons visité différents aquariums. On a vu des manchots, des poissons, des requins et des otaries. Ok. Il y a un petit qui fonce. Il y a un petit qui va à fond la caisse là-bas, là. La petite fusée là. Lui là. Non. Hop, celui-là. Tac. J'ai beaucoup aimé voir le requin-ci, car il était impressionnant. J'ai beaucoup aimé aussi l'expérience à faire avec les mains. Les manchots étaient très marrants. Rien de lui, il est posé. Hein. Je rêve où il est. Moi, mon moment préféré, c'était la brise à Dicarnot et la tour Tanguy. Net et direct. C'est clair, clair et net. Nous sommes ici devant la tour Tanguy, qui a été construite au départ par un Américain. La tour a subi des dégâts pendant la guerre, mais elle est aujourd'hui remise en état. À l'intérieur, nous y trouvons une maquette, ainsi que des photos qui racontent l'histoire de la ville de Brest. Nous sommes allés à la brise à Dicarnot à Brest. Nous avons visité les bunkers de la Seconde Guerre mondiale. J'imaginais des bruits de bombes, les vidéos de la guerre à Brest étaient intéressantes.
tranquille. J'avais trop un truc plus dur. Ah là, vous savez quoi, ça va me manquer tous ces moments. Mais bon, on se retrouvera bientôt. Ah, les beaux ados et leurs éduqués, puis Tony. Sur les bords d'Ouessant, ils sont venus et se sont plus. Ah, les beaux ados et leurs éduqués, puis Tony. Sur le gros bateau, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah, les beaux ados et leurs éduqués, puis Tony. Sur les bords d'Ouessant, ils sont venus et se sont plus. Ah, les beaux ados et leurs éduqués, puis Tony. Sur le gros bateau, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah, les beaux ados et leurs éduqués, puis Tony. Sur les bords d'Ouessant, ils sont venus, n'en parlons plus. Allez vos ados et leurs éduqués putonis. Sur les gros bateaux ils sont partis, n'en parlons plus. Allez vos ados et leurs éduqués putonis. Sur les bords d'Ouessant ils sont venus et se sont plus. Allez vos ados et leurs éduqués putonis. Sur le gros bateau ils sont partis, n'en parlons plus. Bravo.